toutes ces attaques, en fait, ce qui est visé, c'est notre modèle civilisationnel, c'est la France, c'est notre République. Pourquoi on s'en prend à des policiers? On s'en prend des policiers parce qu'on veut s'en prendre à la France. Pourquoi on s'en est pris à Samuel Paty? Parce qu'il représentait la République. Pourquoi on s'en est pris au Père Hamel? Parce qu'il représentait les racines chrétiennes de la France. Et on ne comprend pas ce qui se passe dans notre société si on ne comprend pas qu'il y a une montée de la haine contre notre pays, de la haine contre la République et de la haine contre notre civilisation. Et c'est ça qui va peut-être falloir comprendre, parce qu'en fait, on mène un combat qui est complètement déséquilibré. Nous, on agit en termes de valeurs, on met en avant les droits de l'homme, etc. Alors que eux s'immiscent finalement dans ces failles, s'immiscent dans notre générosité, s'immiscent finalement dans notre système qui est pris de liberté, en effet, pour nous atteindre en plein cœur. Donc, à un moment, un peu plus de fermeté, parce que la guerre civile, ben, je parle notamment des islamistes. Mais il y a aussi toute une partie de l'extrême gauche qui est une partie des islamistes et de l'extrême droite également. Et en effet, il faut être ferme vis-à-vis de ces gens, parce que sinon, ils vont finir par définitivement nous tuer.